Yo, what's up? C'est Elite et aujourd'hui on est sur GTA avec le président du Jackie Tuning du Nord-Pas-de-Calais, tu vois, pour custom la nouvelle Albany Roosevelt Valor de l'événement Saint-Valentin. Donc lui il l'a fait vu que il l'a fait assez sobre hein, lui. Mais nous on va faire un truc qui pète un peu plus, donc on va monter que Dylan, c'est parti. Et on va aller custom ça dans Los Santos, t'as vu? Et puis donc voilà, on est monté avec moi. Et donc on est vraiment bien accompagné parce qu'il est quand même président du Jackie Tuning, toi-même tu sais quoi. Michel aussi. Voilà, Jackie Tuning 59 du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de ouais, Jackie Michel, et qui ça dit. Donc, j'espère qu'il va nous proposer des petits trucs sympas. Bon, on va réparer le véhicule. Est-ce qu'on va mettre. Est-ce que je vais m'emmerder à mettre tout ça? Non, c'est quoi, on fera ça après. Le châssis, voilà. Oh là là, les ailes de couleur principale. Non, perso, les ailes, ça m'intéresse pas du tout. Aération latérale, non, j'aime pas. Détail avant, klaxon chromé. Ah. On va mettre des phares chromés. Des roues de secours latérales. On va laisser d'origine, hein, moi j'aime bien. Bouchon de radiateur. Bouchon de radiateur Albany, bouchon de radiateur. On va mettre l'Albanie. Les grilles de phare. Donc il y a des grilles de phare. Ouais, c'est space. Hein. On va mettre des comme ça. Des à lames. Décoration. Des ornements. Alors attendez, c'est où ça? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment pour dire qu'on les achète à hein, les gars. Donc phare secondaire. On va les mettre. Roue de secours arrière. Je vais mettre en blanc. Moi, je la trouve bien en blanc. Et donc pour l'instant, ça c'est bon. La calandre. Ah. Là, ça commence à devenir intéressant. La calandre, on va la mettre comme ça. Voilà, ça fait bien Jackie Tuning. Toi-même, tu sais. Oh. T'en penses quoi, Diane? J'ai le même. Ah, c'est pas mal. Donc, vas-y. Tu me dis 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. Moi, j'ai mis 3 dans 3. Ah, 3, c'est celui qui fait le plus Fast and Furious, tu vois. Bah ouais. Ouais, tu sais quoi, moi, je vais mettre les prises d'air verticales, tu vois. Je demande l'avis à Diane, je l'écoute même pas. Bon, marche-pied. On dirait un orgue, machin. Ouais, on va mettre les marchepieds chromés pour vous faire plaisir. Suspension de compétition, voilà. Bon, ça sert à rien. Enfin, je vais. On n'est plus sur la customisation. Donc, on va passer à la peinture. Je sais que vous kiffez ce genre de vidéo, du coup, je vous le fais. Hop, on va mettre du métallisé. Alors là, il y a moyen de faire un truc sympa. Est-ce qu'on fait les mêmes couleurs que toutes les autres qu'il y a dans mes garages? Ou est-ce qu'on fait un truc sympa? Est-ce qu'on fait un truc sympa, Diane? C'est là la question. Allez, on va tenter un truc. On va tenter un petit truc, on va voir. Ah, rose vif, ouais, on va mettre ça. On va mettre ça et couleur secondaire, on va mettre en métallisé. On va remettre du vert pétrole, je pense. Quoique, vert marin, vert olive, vert clair, vert pétrole. Non, on va laisser comme ça. Voilà. Ouais, je trouve que c'était pas mal. Bon, on va regarder, on va sortir, on va aller tester un peu ça. Parce que niveau customisation, esthétique, on en a fini. Waouh, elle claque sous cet angle-là. Mets-toi vraiment avec la caméra à l'arrière, Diane. Ouais. T'as vu, on voit bien les reflets roses. Hein. Mort. Attendez, on va même sortir un petit peu. Je vais vous montrer en vue première personne parce qu'elle est trop belle, les gars, cette voiture. Bon, voilà, là on voit bien les reflets. Ça fait une couleur chewing-gum, bubblegum un peu. C'est une couleur que je pourrais peut-être vous proposer bientôt. Voilà. Donc en tout cas, sympa. On va aller faire un petit tour. On va se remettre en vue normale. Et on va juste tester un tout petit peu pour vous faire zizir. On va s'enjailler un peu sur ce. Sur ça. Alors, évidemment, j'ai pas voulu perdre de temps ou faire un peu de la merde en améliorant les moteurs. Mais déjà d'origine, elle va plutôt vite. On peut dire qu'elle est performante. Indienne. Ouais, Je crois que franchement, c'est ça ça. va. Ouais, franchement, ça va, elle est rapide hein, pour sans être custom. Elle est même plutôt pas mal. Non, franchement, j'aime bien. Elle est plutôt pas mal. C'est un avantage, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ont mal compris le concept, en fait, pour l'événement 2016 de la Saint-Valentin, ils ont ressorti la Roosevelt, mais sous le nom de Albany Roosevelt Valor. Il y a juste le Valor en plus. Et donc, il lui apporte de la valeur en apportant une possibilité de customisation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo évidemment. Donc voilà, vous avez vu niveau vitesse, c'est plutôt pas mal, les freins ça marche bien. Donc du coup je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu.
Tu peux lâcher ton pouce bleu, un commentaire, un partage à tous tes potes pour les mettre au courant, ça fait super plaisir. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je remercie le président, donc ici présent, de Jackie Tuning, Nord-Pas-de-Calais 59, toi-même tu sais, d'avoir été présent pour cette vidéo. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao!